Bonjour, Interaction, une fois par semaine, vous en avez l'habitude. Le comité de gestion de ce fonds, qui est un fonds sur lequel vous pouvez investir, vous devez investir d'ailleurs, c'est plutôt une bonne affaire, vous allez pouvoir le voir tout à l'heure. C'est un fonds qui est investi en actions européennes, c'est un fonds éligible au PEA. Donc autour de la table, Agnès Delors, la gérante. Bonjour Humbert. Spécialiste des valeurs. Paul Schorer, économiste, mais gérant aussi. Bonjour. Et Alexandre Adlauer, qui est un invité un peu exceptionnel, qui est un des grands spécialistes du pétrole. Donc vous pouvez me dire un mot, vous êtes analyste financier et vous avez écrit en plus un livre, et donc vous êtes un des spécialistes des pétroles de sable de schiste. Oui, bonjour, effectivement, c'est à pencher sur cette thématique pétrole et gaz de schiste, qui est une révolution mondiale, technologique, et qui a été industrialisée aux États-Unis depuis quelques années. On va y revenir et nous commençons avec les tendances. Alors cette semaine, ça a secoué, hein, une fois de plus. On est allé chercher, notamment sur les marchés européens, qui sont ceux que suivent spécialement les spécialistes d'interaction, on est allé chercher les plus bas du fameux lundi noir du 24 août. Et on a rebondi dessus, un peu miraculeusement aujourd'hui. C'est encore l'influence des banques centrales, Paul, parce que on baissait parce qu'on disait la Banque centrale américaine n'a pas remonté ses taux, c'est que ça va très très mal. Madame Yellen vient dans une université totalement inconnue, ou peut-être très connue aux États-Unis. Elle dit finalement on va bien remonter nos taux et ça suffit pour qu'on se reprenne ? Je pense que ce n'est pas suffisant. Il y a d'abord un mouvement qui a été très ample et qui est venu toucher des points techniques qui sont importants. Aller plus loin, ça voulait dire aller beaucoup plus loin. Et je pense que le marché n'est pas mûr pour ce genre de mouvement. Et finalement, c'est vrai, le catalyseur, c'est peut-être Madame Yellen ou toutes les autres déclarations. Il y avait besoin d'un catalyseur. Il y avait besoin de savoir que finalement, la guerre d'échange n'était pas l'option principale. En tout cas, qu'on était toujours dans un réajustement des devises concerté. Un peu violent, un peu agressif, mais concerté et qu'on n'était pas parti dans le décor. Voilà. Alors, autre affaire cette semaine, autre actualité extraordinaire, Volkswagen qui avoue avoir triché, on peut dire ça, sur un certain nombre de modèles de Volkswagen, d'Audi, de Porsche, quoi, vraiment, les vedettes, sur les émissions, quoi, sur le contrôle des émissions polluantes. C'est invraisemblable de voir ça dans une société où, normalement, un conseil d'administration ne regarde que la marque, et quand on a des marques de ce niveau-là... Oui, mais ça veut dire que peut-être on est à qui le prochain, et c'est peut-être notre mode de société qui fait ça. On a vu, ça n'a rien à voir, mais ça a tout à voir, on a vu comment Hermès, sur juste un sac à main, qui était le sac Birkin, a mis six mois de communication et d'investissement pour éviter justement d'être mal vu. Oui, Volkswagen, il a 11 millions de véhicules qui se baladent dans le monde. Peut-être qu'ils se sentaient intouchables, je ne sais pas. Donc vous aviez été à des réunions Volkswagen, des présentations? Oui, je n'ai jamais investi dans ce titre-là. Et notamment parce que c'est le CEO, je le trouvais, c'était trop parfait, leur présentation, voilà, trop parfait. Et puis c'est une société qui se payait assez cher, donc bien sûr, ils se défendaient d'avoir un énorme cash, une trésorerie de guerre, et donc ils redistribuaient pas mal, donc voilà. Oui, ils étaient très bien vus. Oui, exactement. Il y a des familles fondatrices, il y a le Land de Basfax, quoi, tout ça. Mm. C'était l'Allemagne un peu triomphante. Complètement. Donc, il y a aussi ce symbole-là qui a joué. Alors, dans l'actualité cette semaine aussi, c'est-à-dire Paul qui m'a suggéré qu'on en parle, Monsieur Xi Jinping fait le tour des États-Unis en abordant par le Pacifique, ce qui n'est pas normal quand on vient de Chine. Il va voir les grands patrons et il finit à Washington. Oui, il vient voir Boeing, fournisseur. Il annonce qu'il va acheter pour à peu près 34 milliards d'euros. Effectivement, sur un marché de 150 milliards d'euros, sur la période à venir, sur les 20 ans à venir, ce n'est pas significatif, mais c'est quand même important immédiatement. Moi, ce qui me paraît le plus important, c'est qu'en fait, on a eu cet été une guerre, enfin, une bataille sur le change, et tout le monde s'est exclamé sur le fait qu'il y avait une dévaluation compétitive du yuan. On a toujours dit que ce n'était pas notre lecture des événements, et dans cette logique-là, il me paraît très important de voir comment, entre M. Obama et M. Xi Jinping, on va s'organiser pour parler de l'avenir du yuan qui n'a pas été accepté dans le DTS. Et derrière, on a vu que ça a eu des répercussions sur les marchés puisqu'on a eu des coups de semonce assez significatifs avec des ventes
de T-bonds, T-bills, qui ont été très conséquents. Alors, mais ça vient tout vient toujours au mauvais moment ou au bon moment. Pendant longtemps, le taux de change était un taux de combat, il profitait à la Chine, et la croissance était là. Là, cette mutation, cette fameuse mutation vers les consommateurs, c'est très très difficile, c'est une crise de croissance. Quoi. Et donc ça vient à un mauvais moment, cette affaire-là, quand même. Je ne suis pas sûr que ça vienne à un mauvais moment. Le processus est effectivement, le processus est effectivement très compliqué à mener. Je trouve que la vision de Xi Jinping est beaucoup plus claire que ce qu'on a pu avoir dans le passé et que l'efficience de l'économie chinoise va vers le mieux. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Ce qui est très clair, c'est qu'en fait, on a un monde occidental et un monde chinois qui sont des poids lourds de l'économie de demain et qui pouvaient se parler par le biais du marché financier. Si on n'arrive pas à s'entendre et à trouver une place pour le yuan, je pense que ça aura des répercussions majeures. Et je pense que c'est ce qu'il y a en filigrane derrière les rencontres qui vont avoir lieu dans les jours qui viennent. Et ça me paraît un élément à regarder avec beaucoup de vigilance pour savoir vers quelle direction on va pour les 2-5 ans qui viennent. Oui, c'est très compliqué parce qu'il y a quand même des intérêts divergents entre les économies développées, bon, les États-Unis, l'Europe, puis même un peu le Japon, et puis cette économie qui traverse une crise de croissance. Une crise de croissance de surcapacité très classique, surcapacité, surendettement, système bancaire fragile, etc. Oui, et avec une lecture qui est la nôtre, qui est de dire c'est la dernière phase de l'éclatement de la bulle des matières premières, qui a commencé par un effet subprime, ensuite un effet crise souveraine, et maintenant une restructuration. C'est formidable parce que vous me faites ma transition, puisque nous avons Alexandre avec nous aujourd'hui pour parler du pétrole. Alors, vous nous avez amené un petit graphe qui permet déjà d'appuyer le raisonnement. On va voir à l'écran, mais que vous avez sous votre nez. Bah le pétrole a effectivement chuté, ça fait un an qu'on a quasiment... Alors, moins 50% sur un an, moins 25% sur trois mois. Hein. Donc, ouais, y a une deuxième vague. La deuxième vague a déjà fait un peu plus mal que la première, parce qu'elle elle a été plus ou moins inattendue par l'ensemble des acteurs, soit les acteurs financiers, mais aussi les sociétés pétrolières qui ont dû réviser à la baisse, une fois de plus encore, leur investissement et leur coût. Alors, ça provient principalement d'un surplus d'offres. Alors, 4,5 millions de barils, de nouveaux barils depuis 2011. Ça s'appelle le pétrole schiste. Ça contribue à 90% de ce nouveau pétrole et c'est américain. Et c'est américain. Alors donc la rupture technologique, je crois que vous pouvez nous la montrer justement. Vous avez une petite la technologie en soi n'est pas une illustration. La technologie en soi n'est pas récente. C'est bien l'industrialisation de cette technologie qui aujourd'hui a permis l'effondrement des coûts parce qu'on connaissait ça depuis longtemps. Donc j'insiste sur le fait que c'est parce qu'on a un baril à $100 qu'on a pu se lancer. Ce gaz ou ce pétrole, il n'est pas liquide en réalité. C'est ça que ça veut dire. Nous on aime bien le comparer au gâteau, le cookies en fait. Finalement, les bouts de chocolat, c'est du pétrole. Donc il faut aller fissurer une roche très peu perméable pour aller chercher ce pétrole pour que ce soit rentable, pour faire du forage horizontal. Ça permet de remplacer... C'est ça la grande différence, c'est ce qu'on voit sur le graphique. Voilà, là, ça permet de remplacer 6 à 8 puits anciens par un seul forage et donc des coûts qui baissent. Donc là, c'est la première partie de la technologie. La deuxième, c'est aller fissurer cette roche donc via de la pression. Alors ça, c'est le fameux débat qu'en France, on a voulu éviter ou refuser. Qu'on fissure de façon hydraulique à ce stade, mais il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'eau qui est utilisée, que c'est de l'eau recyclée et que demain, ça peut être remplacé par peut-être Bon, il y a les États-Unis avec deux États principalement et puis il y en a un peu en Europe, et en Chine. Probablement. Pour connaître ce quelles sont les réserves, il faut effectuer du forage. Alors, mais a priori, la France, l'Europe... Alors pourquoi ça s'est envolé comme ça? Est-ce que ça s'est envolé parce que le pétrole valait $100 et qu'à $50, ça n'a plus d'intérêt? Voilà, c'est ça la grande question qu'on se pose. Les Américains se sont lancés sur ce sujet, effectivement, parce qu'à $100, c'était rentable. Au départ, c'était à 80-90. Savoir les États-Unis, le sol appartient au privé, donc ça donne un peu plus d'incitation et tous les outils de forage sont là-bas. Mais dès lors qu'on s'est lancé dans cette technologie, on s'est rendu compte qu'il y avait des marges de manœuvre qui étaient relativement grandes pour baisser les coûts, parce qu'on vient de commencer. Donc, il y a eu un effondrement des coûts. Alors, $50, c'est un peu le point d'inflexion. On dit que c'est le point d'inflexion, mais avant, on disait que c'était 60. Donc, on peut se poser la question. Les coûts baissent de l'ordre de 5 à 10% par an. Donc, on est... Chaque semaine, on a des grosses statistiques de fermeture de puits. Mais est-ce que ça joue sur la production? Est-ce que c'est des petits puits ou des gros puits, quoi? Je pense qu'aujourd'hui, finalement, le vrai sujet, c'est qu'on est avec une réalité qui est celle-là. La question, c'est est-ce qu'on est devant une poursuite
de cette industrie, enfin un développement de cette, durable de cette technologie et de cette industrie en substitut du pétrole cher de l'OPEP, et d'autre part, comment aujourd'hui se confronter à un niveau de prix qui est bas, parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des adaptations, et je pense que là-dessus, tu as des choses intéressantes à nous dire, et puis peut-être aussi voir si finalement on est dans un schéma qui est de réorganisation et de décartélisation de l'industrie pétrolière. Il y a deux questions, la décartélisation de l'industrie pétrolière et les cycles plus rapprochés. C'est-à-dire que autant c'est compliqué d'aller chercher du pétrole en offshore, autant là il est fermé, mais si ça remonte, je peux rouvrir. C'est le sentiment qu'on a de vue de l'extérieur. Alors le premier point, c'est que les puits ne sont rarement fermés. Oui, c'est ça. Parce qu'ils sont rentables. Parce qu'il ne coûte pas beaucoup d'argent d'un point de vue opérationnel. Ce qui se passe, c'est qu'on en fait moins. C'est l'activité de forage qui baisse. Alors effectivement, aujourd'hui, il faut 50 jours et 8 millions de dollars, entre 6 à 8 millions de dollars pour faire un puits. Donc les décisions peuvent être prises de façon plus rapide, contrairement, je prends l'exemple de Total ou d'un Royal Natural, voilà, qui nécessite des réunions relativement longues et aussi beaucoup plus de milliards, donc qui implique effectivement un processus qui est plus long. Donc on est dans des phases de cycle plus courts qui aujourd'hui ont donc un impact aussi plus rapide. Donc à 50 dollars le baril, je reviens sur le point d'avance, ce sont des sociétés récentes, donc qui n'ont pas le cash que peuvent avoir des grosses sociétés et qui sont sur des inflexions. J'y viens justement, s'il y a hausse des taux, est-ce que ça joue sur... Ça joue forcément, puisque ce sont des projets qui sont très financés sur levier. Oui, sauf que le coût de la dette dans un puits n'est pas très élevé. Donc ce facteur-là ne joue pas beaucoup. Ce qui joue, c'est le resserrement du crédit, mais qui n'est pas lié à la hausse des taux, qui est plutôt liée à une baisse des prix qui est beaucoup plus forte. Globalement, je pense que 90% du resserrement du crédit se fait parce que les prix ont baissé. Les 10% restants, c'est des facteurs un peu externes. On va y revenir. On passe au tableau de bord. Alors Paul, nos indicateurs. Pas de changement sur le panorama des indicateurs. Alors j'en ai profité pour essayer de regarder un des indicateurs qu'on n'a pas regardé depuis un certain temps, c'est le momentum microéconomique. Alors c'est quoi? Alors le momentum microéconomique, ça mesure en fait la capacité des entreprises à générer des bénéfices. Et ce qu'on peut voir, c'est que pendant l'été, bon, les marchés ont baissé, mais le momentum microéconomique a été un peu décevant. On n'a pas encore réussi à franchir le seuil d'équilibre. Et la grande idée que l'on a, c'est de considérer que finalement, les injections de liquidités doivent servir à dynamiser les résultats des entreprises, enfin l'activité économique et les résultats des entreprises. Et donc, on devrait franchir ce seuil. Et je trouve intéressant de faire le parallèle avec ce qui s'est passé sur Volkswagen, où finalement, on a une entreprise qui devait faire des résultats qui vont être ponctionnés par des amendes. Et c'est des amendes, des indemnités, beaucoup de choses. et ça va avoir un impact finalement sur la capacité bénéficiaire des entreprises, et ça joue aussi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'on a des entreprises comme Volkswagen qui étaient des leaders, qui était le leader de l'automobile, qui a acheté une croissance fantastique, puisque il a presque multiplié par deux les volumes en 10 ans. On peut voir le graphe sur une période plus courte, d'ailleurs, là on verra bien l'effet en question. Et en fait, on se retrouve dans une situation où ces entreprises-là n'arrivent pas à avoir le pricing power qui leur permettrait d'augmenter leur marge et de faire face à des accidents de ce type. Et ça, je pense que c'est intéressant, parce que c'est ce qui a questionné le marché et ce qui peut participer à justifier finalement qu'on ait eu ces ajustements, parce que c'est l'inquiétude sous-jacente de tous les acteurs. Agnès, ça joue sur tout ce qui a des marques, puisqu'en fait, si je vais acheter une société qui a des marques, c'est parce qu'elle a ce fameux pricing power. Oui, bien sûr. Et donc, c'est des sociétés qu'on paye cher en bourse. Est-ce qu'il faut relativiser? On ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter d'ailleurs, éternellement d'avoir les grandes marques. Mais d'ailleurs, on voit depuis le début de l'année, avec l'accident qu'on a depuis cet été, que ces valeurs qui se payent cher, notamment tout le secteur du luxe, etc., donc ont baissé plus que l'indice. Donc voilà. Vous étiez un peu chinoise aussi. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, nous, on a allégé, on verra plus tard, mais on a allégé Air Liquide parce que c'est une valeur qui se paye plus de 20 fois, qui a fait un très beau parcours. Donc voilà. Les valeurs chères, oui. Bon, on y vient justement avec la rubrique performance. Alors,
Par performance, Agnès, ces performances sont à hier soir, donc ne prennent pas en compte le rebond d'aujourd'hui. Oui. On a des marchés super volatiles, mais néanmoins, on en tire des conclusions. Donc, le CAC faisait moins 4,2 sur la semaine, oui. Et nous faisions moins 3,5. Oui, on continue à maintenir notre sous-performance par rapport à notre indice de référence. Ce qui est bien, donc, 3% par rapport à l'indice dividende réinvesti, c'est-à-dire que... Oui, c'est bien. C'est vraiment comparable. Surtout qu'il faut juste rappeler que en juin, on avait un spread négatif. Oui. Donc je dirais, on a un esprit un peu contrariant dans notre gestion, avec des thèmes très forts, notamment quand étaient les thèmes du secteur pétrolier. On n'est pas du tout rentré sur... Le fait d'être absent. Le thème fort, c'est voilà, de ne pas l'être. Oui, sur les parapétrolières, oui. Etc. Et donc, on n'était pas du tout... Il y a eu deux bons moments. Saipem, on est sorti tout ce qui était parapétrolier. Et Zodiac, on est sorti de tout ce qui était aéronautique. Oui, et aujourd'hui, on est plutôt content de la deuxième aussi. Hein. Oui, mais au début d'année, on avait du Total. Et on a décidé de vendre du Total en début d'année parce que... On a un doute sur le dividende de Total, sur la pérennité du dividende de Total. Donc voilà, ça nous a coûté. Donc on a à la fois le poids et les performances. Donc on fait notre surperformance, entre guillemets, sur ce qu'on n'a pas d'abord, puisqu'on est investi... Oui, on a un peu de cash. On a un peu de cash, il y a 7,5% de cash. Tout à fait, toujours. Et on va y revenir. Pas de consommation cyclique qui baisse quand même bien cette semaine. Oui. Et pas ou peu de cyclique. On va y revenir dans l'actualité. Donc, le portefeuille, on peut le montrer. Voilà. Le portefeuille avec donc les variations. Ce qui nous fait le mieux en relatif, c'est le fait de pas avoir 100% de Total et Sanofi en proportion exactement avec l'indice. C'est ça qui nous fait le mieux en négatif. En positif, mais c'est surtout notre politique sur les biens de consommation et notamment avec le secteur automobile où on a su capter la très belle hausse donc, et qu'on a sorti avant cet été parce que c'est un secteur qui faisait 80-50% de hausse. Donc on a su prendre nos bénéfices. On souffre un peu, mais c'est encore une fois, c'était hier soir, sur ce qu'on peut dire le plus stock picking, c'est-à-dire Chargeur, Sodexo, Affineon, Rheinmetall. Qui ont été très très gagnants. Voilà, hier, je crois que ça a été surtout, il y a eu un très gros volume sur le marché et je pense que c'était, on vendait. Voilà. Il n'y avait pas quel était le secteur, quoi que ce soit, c'est on avait enfoncé des supports et on vendait sur le marché. Ça s'est arrêté là. Donc on a fait 7-8 milliards de volume. Donc voilà. Bon. Nous passons à la gestion. Alors, la gestion du fonds PEA Interaction, ce fonds qui est interactif et totalement transparent. Vous avez le comité de gestion que vous pouvez voir. Vous pouvez avoir tous les documents en allant sur le site acerfinance.fr. Exactement. Gestion, on va déjà regarder les arbitrages qui ont été réalisés depuis le début du mois. Hein. Donc, après la fameuse réaction au crack ou au lundi noir. Donc, les voilà. Donc, on a encore récemment, donc on a acheté du Chargeur, on a renforcé du Chargeur, on a acheté puis renforcé du Saint-Gobain, on a acheté du FH, on a acheté du Altran. Et en sens inverse, alléger ou vendre Telefonica, L'Oréal, donc c'est justement ce que vous disiez, L'Oréal et Air Liquide, c'est deux grandes vedettes, chères. Oui, chères, très internationales. Mm-hmm. Donc, c'est ça que vous avez décidé de sortir. Oui, c'est ça. Parce que quand même, on se rend compte qu'il y a trois gros thèmes sur ce marché actuellement. Notamment, c'est à quand la Fed allait remonter ses taux. Donc, deuxièmement, c'est l'impact. Personne n'a pressé l'impact, notamment des pays émergents, sur les résultats de société. Et personne ne peut rien dire là-dessus. Et troisièmement, le dollar cher. Bon, alors Altran, puisque c'est ce qui a été réalisé cette semaine, on peut dire un mot. Oui, Altran, on l'a renforcé cette semaine parce que, d'une part, c'est une société qui a pas mal de cash, donc qui est intéressante, mais surtout, elle a très bien résisté aux soubresauts du marché depuis quelques mois. Et deuxièmement, même si elle a annoncé qu'elle n'allait pas pouvoir maintenir une marge opérationnelle au-delà de 10,5. Donc elle a prévenu le marché. Elle sera plutôt aux alentours
alentours de 10. Donc voilà. Et surtout, elle va annoncer un plan de restructuration d'ici la fin de l'année avec des réductions de coûts. C'était l'Allemagne le gros problème. Voilà, c'était l'Allemagne avec son management. Et surtout, elle a une politique de faire des acquisitions. Donc elle le fera au fil de l'eau. Donc elle va, c'est une société qui va bien grossir. Et puis alors, le petite sœur, si on peut dire, Alten a publié des résultats. Très bons résultats, qui sont très bonnes cette semaine. Ça fait, exactement, Alten, elle est plus petite. Ça ne veut pas faire de mal. Voilà. Alors, Total, on n'en a pas beaucoup. On peut voir le portefeuille peut-être. Total, on n'en a pas énormément, mais il y a eu une réunion. Ils sont efforcés de rassurer. Ça vous rassure, vous, Alexandre? Ce sont des décisions à minima. C'est-à-dire qu'on a l'impression on baisse les investissements pour payer le dividende. Ce n'est pas extrêmement bon signe pour l'avenir sur court terme, c'est apprécié et c'est financier, mais sur long terme, ce n'est pas une réponse industrielle. On disait qu'on préférait qu'ils coupent le dividende de moitié et que ces 3,5 milliards, ils les réinvestissent dans des acteurs qui potentiellement aujourd'hui sont en stress, mais donc très intéressants. Quitte aux acteurs du schiste ou du sable ou Dieu sait quoi. Ils sont justement ces acteurs à forte croissance et qui aujourd'hui peuvent avoir une forte décote. Donc la réponse est court-termiste et décevante. Et donc dans ce secteur, puisqu'on est sur le secteur très particulier de ces nouvelles techniques, il y a des choses à acheter? Nous, on aime bien donc les acteurs qui ont finalement le coût le plus faible ou la capacité à baisser les coûts de la façon la plus rapide. Et ce sont, d'après nous, les acteurs de schiste. Mais dans les acteurs de schiste, il faut bien dissocier ceux qui ont du cash, donc en capacité à tenir ces quelques mois, quelques années, un baril plus bas. Ceux qui veulent être obligés s'adosser à prix cassé. Ou faire faillite, parce qu'il va y avoir de la casse assez vite. Oui, on voit justement sur les rendements, vous en parliez, sur les rendements, au rendement d'EMI, il y a déjà des rendements qui sont sérieusement tombés. Oui, et surtout, il va y avoir des renégociations de credit line, donc les revolving à partir du 1er octobre. Et on sait qu'il y a 30% du volume qui va être révisé à la baisse, donc de la casse. Il y a quelque chose à faire, ça ne nous regarde pas, puisque dans l'interaction... Dans ces acteurs-là, mais aussi en Europe, il y a un acteur qui est intéressant, qui fait part de ce pétrole, qui s'appelle Statoil. C'est un acteur norvégien qui, vu qu'il est présent, ils ont été très proactifs, parce qu'ils se sont déjà pris la vague du gaz de schiste, donc c'est le deuxième plus gros fournisseur en Europe. C'est paradoxal que ce soit la Norvège, le pays où tout va bien dans le traditionnel, qui investit dans le... En fait, sur le déclin de la mer du Nord, ils sont allés un peu dans le Dakota et essayer de rééquilibrer leur croissance de production. Et aujourd'hui, donc, ils ont baissé les coûts de façon un peu plus drastique que les autres acteurs. Ils ont supprimé 12% de leur poste en Norvège. C'est pas rien. On imagine Total faire ça en France, il y aurait pas mal de bruit. Oui, ça on peut pas mal à la télévision. Et en plus, ils utilisent un peu la technologie qu'on utilise dans le pétrole et gaz de schiste pour un peu réinventer leur champ classique. Ils font du forage horizontal dans les champs classiques, donc on aime cet acteur. Voilà quelque chose à regarder. On le met dans le radar. On va le mettre dans le radar. Okay. Bien, alors ensuite, on continue un peu l'actualité. Orpea, ils annoncent une croissance externe et ça monte. Ça prouve que vraiment, il y a une crédibilité du management. Évidemment, ils sont placés sur un secteur qui est l'or gris, comme on dit, pour exactement. Ceux qui ont des cheveux. Exactement, on n'en a pas, mais ce n'est pas une critique. C'est dommage, parce que c'est des valeurs qui se payent cher. Voilà. Et c'est vrai, on est sur le sujet du vieillissement de la population. Et donc, il n'y a pas beaucoup de concurrence dans ce secteur-là européen. Et du coup, oui, donc Orpea, c'est une très belle... très belle société, et donc... Mais il n'y a plus beaucoup d'acteurs, c'est ça. À force de concentrer, il n'y a pas d'acteurs. Non, peut-être faudrait faire de plus en plus de logements intergénérationnels. Donc ça sera, je pense, le monde de demain. Ça sera le monde de demain. Ouais. Alors tiens, ça fait une transition. Oui. Le secteur de la construction qui hésite. Alors à la fois, on a des concessions où ça marche bien, les taux... européens vont rester très bas. Et on a des petites hésitations sur le BTP, la construction. Mais hier, si vous voulez, le secteur a été un peu massacré, notamment par une étude d'un broker où les analystes deviennent un peu plus sceptiques. Alors c'est vrai qu'on s'est rendu compte que cet été, la croissance en France a été à zéro, au ralenti. Donc les analystes ont espéré un rebond pour le deuxième semestre et on commence à avoir des doutes là-dessus. Mais je pense qu'on a touché le point bas. Et donc je pense donc que on a du Saint-Gobain. On a rentré cet été Saint-Gobain. Et ça, c'est Saint-Gobain, c'est une valeur qui est française, allemande d'abord et avant tout, on va dire. Donc on est quand même dans ce qui peut se mettre à marcher. Je pense qu'on a Saint-Gobain, les volumes ont touché un point bas. Sur les 7 derniers mois. On voit notamment qu'il y a de grands projets qui vont se faire à Paris
Et à Londres, il y a le Grand Paris notamment. Donc, et du coup. Paris, les Jeux Olympiques peut-être, etc. Oui, exactement. C'est... Je pense qu'il y a un joli levier et ce n'est pas encore pricé sur le marché. Voilà. Donc, quand Yves nous pose une question, puisque poser des questions, vous pouvez les poser en allant sur le site à côté du player, comme on appelle ça. Oui. Yves nous dit les réfugiés arrivent en Allemagne, ils vont avoir besoin de logements décents. Quelles sont les entreprises allemandes de la construction ? C'est Saint-Gobain, les entreprises allemandes. C'est pas la peine de se compliquer. Oui, exactement. Et puis, c'est une société qui sait augmenter ses prix, qui a augmenté ses prix de 2%. Donc, voilà. Oui, on retrouve la problématique du pricing power des entreprises. Exactement. Je crois que c'est un vrai sujet. Est-ce qu'elles ont la capacité à imposer un tout le pourcentage de Saint-Gobain a été fait là-dessus. C'est-à-dire voilà. qu'ils ont abandonné ce sur quoi ils avaient peu de pricing power, comme vous dites. Donc, en revanche, 26 FH qu'on a aussi, elles sont à la fois du BTP et des concessions, donc on est plus tranquille. Oui, et puis Vinci a vraiment annoncé un message encourageant sur la France. Les logements, de toute manière, on a eu une reprise des ventes des logements. Au mois d'août et au mois de juillet. Et les investisseurs, il y a aussi une hausse des crédits de la part des investisseurs. Et puis on a eu des points d'entrée que Mme Royal nous avait offert avec le débat sur les tarifs de l'autoroute, il fallait en profiter. Voilà, et le gouvernement va prolonger la loi Pinel. Donc. Oui, ça c'est un grand sujet. Rapidement, on voit du côté des analystes cette semaine des dégradations dans le secteur bancaire. Alors, c'est lié au taux d'intérêt, c'est lié à quoi ça, ou à une incertitude. Alors, aussi bien la Cité Générale, celle qui est plus active sur les marchés, que le Crédit Agricole, celui qui au contraire, une banque de détail, mais qui doit se restructurer, les deux sont dégradés par les années financières cette semaine. Mais ce qu'on rencontre, à chaque fois, quand il y a des turbulences sur le marché, les bancaires réagissent toujours avant. Et cet été, les bancaires ont été, notamment, Crédit Agricole, mais cet été, les bancaires n'ont rien fait. Donc, elles ont toujours un temps d'avance, les bancaires. Donc, je pense que, de toute manière, les bancaires, pour l'instant, c'est un peu les mal-aimés, d'une part, parce que il n'y a rien à attendre pour l'instant, si ce n'est que ça distribue du dividende. On n'a pas une vision à long terme sur la croissance, et notamment avec le monde du digital. Donc, donc voilà, il faut juste être patient. Donc on est patient là-dessus. Dernier point, Madame Clinton a mis dans le débat les tarifs de certains médicaments. Donc le secteur des biotechnologies s'est cassé la figure. Nous, on a du Sanofi, qui est quand même une valeur qui est assez américaine. Ça vous inquiète ou pas ? Sanofi, de toute manière, on l'avait rentré comme en achat indiciel, qui a très bien marché. Sanofi, au total, sont des achats indiciels. Exactement. C'est... Mais sur, sur la valorisation, Sanofi, pour moi, est cher. Donc, je rejoins... Donc, on regarde voilà. ça, parce que, effectivement, on sait que les dépenses de santé, les hommes politiques rentrent dedans dans les campagnes électorales. On aura un gros problème, et que ce soit Mme Clinton ou celui qui aura en face, c'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet. Donc... Bien, alors, achat-vente, arbitrage, donc on a un peu tout évoqué. L'air liquide, on continue à vendre Pour l'instant, peut-être. Peut-être. En attente, donc... C'est une valeur chère, c'est ça. On évite quand même les multiples très élevés. Oui. Dans un marché qui s'agite, la moindre déception... Aujourd'hui, elle rebondit, comme lundi. Exactement, c'est normal. C'est fait. Voilà. Oui, moi je voulais revenir sur un point, parce que Alexandre étant là, je pense que c'est intéressant de l'évoquer, c'est quelle est la perspective sur le pétrole. Voilà. Et je pense que ça joue un rôle important dans les façons d'approcher tous nos investissements à venir, et je pense qu'on est assez consensuel sur le sujet. Donc, Alexandre, on est à 50, ou entre 47 et 49, j'en sais rien sur le Brent par exemple. Justement, j'ai l'impression qu'on a trouvé ce fameux point d'inflexion, parce qu'on est quand même sur une surcapacité de près de 2,5 millions de barils par jour maintenant. Depuis. C'est beaucoup ça. Pour les enlever, il faut un peu de temps. Sauf que là, on a des acteurs typiquement nord-américains, donc 1 million de barils sur les 4,5 qui sont à risque. Donc si on enlève ce million de barils excédentaires, ça risque d'avoir un impact qui pourrait être de bonnes dizaines de dollars sur les prix du pétrole. Donc on pourrait avoir un rebond au-delà des 60 dollars. Le cycle des émergents, il n'est pas terrible. La Chine ne va pas se mettre à surconsommer. Le Brésil non, mais on parle bien d'une dynamique de production. C'est-à-dire on est en surcapacité. Là, il y a un point d'inflexion. La production qui montait commence à baisser. Ça va s'accélérer. Donc c'est bel et bien Vous, le 40-60, c'est la marge. On ira peut-être voir 40 et on ira peut-être voir 60. On a fait le point bas pour moi, je pense. Et d'une semaine dans le Texas, je suis assez confiant sur le rebond du prix du pétrole parce que les acteurs sur place, les banques qui les financent, disent que le Q4, donc le quatrième trimestre de cette année et le premier l'année prochaine, sera assez difficile. Les cycles d'investissement sont courts, donc l'ajustement va se faire assez vite.
Ce sera le mot de la fin. Ça aurait pu être le mot de la fin si Paul n'avait pas insisté. J'insisterai sur le fait qu'en fait, aujourd'hui, on l'évoquait la semaine dernière, 20 dollars, c'était la prévision de Goldman Sachs. Il avait prévu 200 dollars aussi. Donc voilà, justement, pense que c'est important de bien mesurer que le point de vue contrariant qui intervient après un mouvement qui a été un mouvement de baisse très important, c'est une inflexion très, très, très notable dont on reparlera dans les semaines et les trimestres qui viennent. Pour nos valeurs, en revanche, pour les valeurs pétrolières et pour les parapétrolières, on a éventuellement le temps parce que il faut absorber quand même. Et puis, il y a une rupture technologique, c'est pour ça qu'on en a vu. Et des modèles différents, voilà. Mais je pense que c'est important. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, messieurs. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.